Harry et Meghan, ses critères de choix pour la nouvelle école d'Archie. Le lundi 6 mai 2024, le prince Archie a célébré ses 5 ans. Ses parents, le prince Harry et Meghan Markle, seraient désormais à la recherche d'une nouvelle école, selon le Montecito Journal. C'est une nouvelle étape pour le prince Archie. Le lundi 6 mai dernier, le fils aîné du prince Harry et de Meghan Markle a fêté ses 5 ans. Un moment de joie qui a probablement été célébré en famille avec sa grand-mère Doria Ragland. Et si sa petite sœur Lilibet fêtera de son côté son anniversaire le 4 juin prochain, le petit garçon s'apprête à vivre un grand changement. En effet, à la rentrée prochaine, Archie va devoir changer d'école. Il va intégrer pour la première fois une école primaire, comme tous les enfants de 5 ans aux États-Unis. Le prince Harry et Meghan Markle vont donc devoir choisir parmi tous les établissements de Montecito et de Santa Barbara. Le prince Harry et Meghan Markle privilégient la sécurité. Le choix de l'école pour le prince Archie dépend de nombreux critères. Ses parents vont d'abord devoir choisir entre une école privée ou publique. Le critère de la sécurité du lieu étant la priorité pour le prince Harry et Meghan Markle, il est fort probable que le petit garçon soit envoyé dans un établissement privé. Archie irait dans une école très sélecte, où vont les enfants d'autres célébrités. En tant que comédienne, Meghan se sent à l'aise avec des gens comme elle, a notamment expliqué l'auteur royal Tom Quinn. Dans les colonnes du Montecito Journal, Richard Maynard a déjà fait des révélations au sujet de la future école des enfants du duc et de la duchesse de Sussex. Le couple a été aperçu en train de visiter un établissement la semaine dernière, ce qui les rapproche un peu plus d'une décision, a-t-il expliqué. Selon le journaliste, les frais de scolarité de la région varient de 5 500 à 46 000 euros. Le prince Archie pourrait intégrer une prestigieuse école privée. Concernant l'établissement choisi par le prince Harry et Meghan Markle pour leur fils, une école répondrait à tous leurs critères. Il s'agit de la Laguna Blanca, située à Santa Barbara. Elle accueille 348 élèves de la maternelle à la terminale avec un ratio de 7 élèves pour un enseignant. Son coût est d'environ 27 000 euros par an. Tous les étudiants poursuivent ensuite leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur. Une école très prestigieuse. Dans le cas où le frère du prince William préférerait une école publique, des établissements comme la Cold Spring School ou la Montecito Union School sont très réputés. Ils accueillent d'ailleurs des enfants de riches et célèbres, ce qui pourrait plaire à Meghan Markle. Pour le moment, le couple n'aurait pas encore pris sa décision concernant l'école du prince Archie.